c'est parti pour cette 15e journée de Lidl Star League ici au Palais des Sports. Et c'est Saint-Raphaël qui a cette première. Qui a les premières, le premier ballon. Donc toujours Raphaël Oise, les Varois qui ouvrent le score. Récupération pour les Varois. Et le but de Farouddin Melic. Et un bel arrêt de Mihai Popescu. Son deuxième déjà. Cocheteau sur la gauche. Ça rentre, faut pas le laisser hein, comme ça tout seul. Une belle remontée de balle, hein, bien rapide. Et Panda qui est passé sur la gauche. Un shoot lointain, sublime, pleine lucarne. Pour Vadim Gaïdouchenko. L'arrière droit s'accroît, c'est lui qui a le ballon. Il va peut-être aller chercher le shoot, un peu bougé par Pintor. Ils ont cherché Maresco. C'était pas dans le bon rythme. Maresco partait sur la gauche et le ballon était donné sur la droite. Et ça... La plupart des matchs sont diffusés ici. À 20h par exemple, Chartres-Nîmes. Avec Pintor hein, qui vient de marquer. Regardez-moi ça, au 9 mètres, boum! Gaïdouchenko qui a allumé le gardien. Giblin qui fait une bonne rentrée. Hein. Ça passe au-dessus, mais ça part au 7 mètres avec un 2 minutes pour Joan Maresco. Avec Alexandre Demailly qui est rentré. Et qui est pas content de. C'est vrai que Yacine Idrissi nous a fait déjà un très beau début de saison et puis surtout. Une Coupe du Monde assez incroyable. Gaïdouchenko qui feinte, qui passe le bras, qui décale magnifiquement. Emery Kazuni. Et c'est reparti pour cette deuxième période de cette 15e journée de Lidl Star League ici au Palais des Sports. Et pour l'instant, eh bien, c'est Saint-Raphaël qui mène à la maison chez eux 16 à 10 face à Créteil. C'est parti pour 30 minutes. Il est là. Cherche le pivot, Maresco, il le trouve et Maresco trouve également les filets. Joué avec Dipanda qui lui rend le ballon. Et encore cette fois-ci, c'est un arrêt du gardien cristolien avec Mihai Popescu qui était presque dessus sur ce but de Emric Azuini. Magnifique décalage sur la droite avec le petit Chab. Kervadec, peut-être y aller. On a tous hâte de retourner et d'aller voir du sport. Enfin, face à Dylan, soyez. Et encore une fois, balle, et elle est tout seul. Alors, est-ce que ce but est valide? Je pense que oui. Maresco! Bon, c'est un. C'est bien en place hein, du côté de Saint-Raphaël, alors là il n'y a pas but mais c'est beau. Magnifique remontée de balle, jeu de transition très rapide de la part de Créteil. Beau décalage hein, sur la droite de Boragan avec Boïba Sissoko qui tente de passer, oui, avec Valentin Hamann au pivot. Un beau décalage sur la gauche pour Raphaël Cocheteux. Sarmiento, ah joli. Cette fois-ci c'est un jet de 7 mètres. Je me tromperai pas deux fois les amis, je vous le dis. Farouddin Melic, pas de feinte. Tir immédiat et ça lui permet de tromper Dylan Soyer. Ah il est beau celui-là, magnifique Molinier. Vojinovic, le numéro 5 qui a fait son entrée. Il est là. Ah oui, le petit jeu au pivot pour Maresco. La petite roucoulette, dommage. Ah oui, ça aura pu faire un beau 30e but. Et une relance rapide des Cristoliens, mais ça ne donnera rien. Et c'est donc la fin de cette rencontre. Fin de cette 15e journée de Lidl Star League ici au Palais des Sports avec cette belle victoire nette et précise de Saint-Raphaël 29 à 25 face à Créteil.